Et maintenant, on va continuer la promenade entamée lundi, comme on le fait souvent, dans une région pour mieux la connaître. Et cette semaine, c'est l'Aubrac, où aujourd'hui, on va visiter un buron. Ce sont ces petites maisons en pierre qui servaient autrefois d'abri aux bergers et où ils faisaient du fromage. Certaines ont été transformées en sorte d'auberge. À Nasbinal, en Lozère, on retrouve Sylvain Dolande et Paul-Étienne Zanne. Mon aumône sur la montagne, elle m'est d'accord au posturo. Ce chant-là vient du fond des estives, où coule l'eau fraîche des monts de Lozère, où fleurissent les jonquilles et la gentiane, et où l'hiver ne s'arrête qu'au 25 mai. Au bout du chemin, à 1300 mètres d'altitude, la route s'arrête. Jean-Pierre chante la vie dans le mazuc, le buron de pierre grise, cher à son cœur. Ouais, on allait dans les burons alors. Hein. Dans les vrais burons, à l'époque où il faisait encore... où il y avait de la terre battue par terre et il faisait encore la traite à la main tous les matins. L'aligot, c'est la potion magique de l'Aubrac. Tous les enfants du pays sont tombés petits dans la marmite. Moi, c'est la génération d'avant qui m'a appris à le faire et puis voilà. Écraser les pommes de terre, lait, crème, sel, poivre et ail, allumer doucement et incorporer la tomme fraîche. Pour savoir monter l'aligot, il faut avoir de bons avant-bras et de la patience. Jusqu'à ce que le mélange onctueux file en drapeau majestueux. On va leur servir ça avec une côte de bœuf au brac, là-bas, là. Le bœuf fermier au brac. Ça devrait aller. Et on joue vraiment la carte là-dessus, parce que bon, déjà, c'est notre pays, on l'aime. Et puis la race au brac, une vache au brac, elle est magnifique, quoi. Donc voilà, quoi, sans être chauvin, c'est quand même, reste quand même, malgré tout, une superbe race. Dans la grande salle du buron, Gilbert, le père, commence à trinquer avec ses invités. Il en arrive 10, 30, 80. On se sert autour de la cheminée. Les charcuteries entrent en scène. Saucisses de Lozère aillées, pâté de tête, fricando, jambon fumé. Je pense que les gens de notre région, de l'Aubrac en général, aiment bien vivre et aiment bien transmettre cette convivialité. Les planches couvertes de grillades se font pressantes. L'aligot file à flot. Si vous voulez bien me faire passer aux assiettes, monsieur. Les convives sont des Auvergnats connaisseurs, des gros mangeurs ou des randonneurs. Et quand il n'y a plus de place en salle, on en trouve en cuisine. On devait pique-niquer et étant donné le temps, nous sommes dans la cuisine et nous sommes ravis de l'être. C'est vraiment une région authentique, avec des gens qui vous accueillent chaleureusement. Quand l'ambiance est à point, on sort les accordéons et la cabrette et on chante à tue-tête des pastourelles rocailleuses. La musique oblige même certains à se lever de table pour se dégourdir les jambes. Au début, l'aligot était servi au cuivre. Jean-Pierre finira par apporter le chaudron entier. C'est notre vie, je veux dire. Donc, on a essayé de refaire vivre ça à travers des burons peut-être aménagés, mais de refaire vivre un peu ce terroir. Bien, mais on est reparti alors. Comme les autres, les randonneurs repartiront repus. Et même si le temps est maussade, la musique du buron de Borne continuera à les accompagner sur les chemins de l'Aubrac. Les chemins de l'Aubrac où on retournera demain avec Sylvain Dolande en direction de Compostelle. Une bien belle région en tout cas.